Mr. Leader, you said that you've always looked for ways of getting into Gatineau a little bit more. That was part of your mandate. Is that one of the way to do this? And is it the last one, the last way to do it? Yes and no. We've been trying for a number of years to expand our presence in Gatineau, and we continue to do that. And I think the five rink projects that we announced today in partnership with the city is another way that we can, you know, further give back to our community. And there will be more, hopefully more announcements in the near future as well about our involvement here in the city. You think you want to try that in French, just for our French? C'est très important pour nous to invest à Gatineau, nos partisans et nos fans ici. And ce projet patinoire sanitaire is a way that we can do that. Merci. Pour Gatineau, ça signifie quelque chose d'important? Ben, oui, c'est une excellente nouvelle. Là. C'est une contribution qui est considérable. Là. C'est cinq patinoires. C'est des patinoires qui sont dans les normes de la Ligue nationale. C'est de la qualité de vie, c'est de la santé. C'est des jeunes qui bougent. C'est des jeunes qu'on attire vers le hockey. On sait que c'est un sport qui a besoin d'être encouragé un petit peu. Ça fait partie de ce qu'on est. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle, cet investissement-là pour Gatineau. Est-ce que ça va changer les allégeances du maire dans la Ligue nationale? Bien, disons que moi, des annonces comme ça, plus il y en a, plus ça va ébranler ma foi dans les Canadiens. disons que j'ai peur de ma relation avec M. Coderre au moment où on se parle. Mais je pense que c'est aussi une façon de pour les sénateurs de se rapprocher de la communauté, de créer des liens, puis... moi, j'ai grandi dans une maison où j'avais un père qui criait quand le Canadien marquait. Ça fait que ça va être difficile de me convaincre, mais c'est un point important qui a été franchi aujourd'hui. Après tout, Gatineau est tout près est beaucoup plus près d'Ottawa, là, finalement, que de Montréal. Oui, mais c'est une longue tradition, puis je pense que l'organisation prend les bons moyens pour qu'on se rapproche les uns des autres. Pour le reste, je laisse aux partisans, là, ils feront leur choix pour la ville de Gatineau, pour la santé des jeunes, pour le fait qu'on va avoir des gens plus actifs, qu'on va faire du sport. Pour moi, tout le monde est gagnant, peu importe de qui on est partisan. C'est la ville qui va faire l'entretien des arénas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces infrastructures-là pendant la période estivale? C'est des infrastructures qui vont être utilisées à l'année. Si je ne me trompe pas, ça fait partie du protocole. Donc, l'été aussi, on va les entretenir pour qu'il y ait des activités qui se passent là vraiment à l'année longue. Raison de plus, pour moi, là, de me réjouir, là, c'est vraiment c'est un beau gain pour Gatineau comme infrastructure. Ah, on parle de quoi quand il est question d'animation sur les patinoires extérieurs? Je ne sais pas si le service de M. Archambault pourrait vous donner des détails, là, parce qu'une de nos préoccupations, c'est justement de les garder actives. Ce n'est pas une infrastructure qu'on construit et qu'on oublie l'été. Okay. Peut-être que M. Archambault pourrait donner des détails. Alors, au niveau d'animation de site, c'est sûr qu'on va rechercher des partenaires au niveau de nos organismes, nos associations de quartier pour animer ces sites-là. On va s'assurer aussi d'avoir un équipement en place, que ça puisse être utilisé l'été, forme basketball, hockey ball, etc. C'est des dalles qui vont être coulées et des bandes permanentes. Donc, ça fait un niveau de site de très haute qualité, là. Donc, oui, on va profiter à longueur d'année de ça. Pas aller trop pointu dans le détail, mais c'est quelle dimension? En fait, pour le site Gilbert-Garneau 2014 et Parc Central qui est envisagé pour 2015, on parle de grandeur de la Ligue nationale de hockey, donc 200 par 85. Dans les trois autres sites qui sont retenus pour déploiement jusqu'en 2018, on parle de 100 par 50. Mr. Leader, just a quick one. In 5 years, this is the duration of that new deal that you just signed. How many senators' jersey do you expect to see at the table of the council? How many councillors are there? 10. We're 19. 19? 19. At least 10. At least. Si. Merci. Is it something that resembles the Rink of Dreams in Ottawa? No. These are typically, as Roger said, some of them are NHL-sized rinks, so 85 by 200. Others will be sized to fit the parks. But these are designed to be used 12 months of the year for different activities, hockey, basketball, ball hockey, lacrosse. A number of different programs can be run on these rinks. And the Rink of Dreams at City Hall in Ottawa is more of a public space, and it's used for 4 or 5 months of the year. Gets lots of use, but it's not used, you know, really 12 months of the year. Okay.
Thank you. Merci.